Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Halo The Master Chief Collection pour continuer le premier des Halo, hein, tout simplement. Toujours en compagnie d'OTST. Salut à tous. Et c'est parti, on continue en héroïque parce que c'est ça qui est cool. Et c'est parti oui, l'héroïque, pour l'héroïque. The True and Reconciliation. Vérité, réconciliation, eh oui. Sera-t-il véritablement une réconciliation? Nous le verrons. On connaît déjà la réponse. Tant. Oui. Le capitaine Keyes a été capturé par l'ennemi. Il est retenu prisonnier à bord d'un croiseur, le Truth and Reconciliation. Ce vaisseau se trouve à environ 300 mètres au-dessus de l'autre extrémité de ce plateau. Mais comment on va faire pour y entrer s'il est en l'air? J'ai un fusil, mais j'ai pas des ailes. Il y a un ascenseur gravitationnel qui transfère les troubles et les provisions du vaisseau à la surface. C'est par là qu'on entrera. Une fois dans le vaisseau, je devrais pouvoir suivre le signal des implants neuraux du capitaine Keyes. Et là, on est avec le petit sniper. Calme. Avec la vision nocturne que tu peux activer. Un visor. Ça devrait vous permettre de localiser les... Et ouais, mais c'est à quel bouton déjà? Ah bah c'est bon, c'est le bouton de lampe. Je vous conseille d'utiliser votre fusil de sniper pour abattre les tireurs. Pendant que j'appelle les Mironettes, sergent. L'adjudant va tenter de neutraliser un maximum de Covenants sans éveiller leur attention. Moi j'ai un locust. Oh merde. Mais qui c'est qui m'a vu? T'as tiré? Ça devrait nous permettre de conserver. Non, j'ai pas tiré. Ah bah on m'a vu alors. Là je tire. Bon bah il va falloir tirer. Là je me dis c'est bon, je joue à l'élite, je vais pouvoir le tuer, mais. Non, bah salut, il m'a vu avant. C'est bon. T'as un succès si tu termines la mission avec au moins 4 balles dans le chargeur du sniper. Avec au moins 4 balles? Ouais. Bon, on va les économiser alors. Qui te reste. Alerte. Un Covenant se dirige vers ce canon fixe. Descendez-le. Ah le salaud. Mais c'est dans l'arme ou c'est en séparé? Je veux 4 balles. Il faut qu'il te reste. Minimum, c'est bon. 4 balles, c'est bon. Donc après tu peux prendre aussi une autre arme ou il faut ou t'as pas le droit de changer? Ah oui oui oui. Ah oui tu peux prendre une autre. Ok. Faut qu'il te reste un sniper sur toi à la fin de la mission avec combien 4 balles minimum. Ah minimum. Ouais donc voilà c'est... J'utiliserai que oui. Quand j'en aurais envie quoi. Allez moi je vais dans le tas. C'est parti. Vu qu'il te reste un chargeur complet à la fin c'est bon. Ouais bah ça va aller. Surtout qu'il y a des balles aussi sur la route. Je crois que j'ai tiré sur des potes. En même temps, il bouge le salaud. Regarde. Saloperie de poulpe. Bon, tu vas mourir toi. Il voulait pas. Non, mais oh. Bah, si, fille. Pas sûr, Penny. Oh. Ouh, la triple. Pas 3 morts. Toi? Ouais. Bah, GG. Parce que j'ai voulu tirer, je me suis dit, bah je pense que j'ai tué personne. Oula, 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 tout. Je suis caché dans les buissons. Du coup, je crois qu'aux snipers sont pas très précis. Ouais, c'est pas très fou. Il y a une énorme musique qui va se lancer ici. Ah oui, oui, je m'en rappelle. Tu m'as pas vu. Ah, ça y est, commence. Je crois. Si, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Je passe. Attention. Ah ouais, c'est pour ça que j'étais en train de le bait. Oh là, il est où là? Des bonnes musiques à l'ancienne. Passé. Oh là, on dirait va se calmer là. Ça a pété. Allez, headshot. Ça doit péter, colonel. Oh.
au colonel, il y a des écureuils. Oh, c'est beau, mais ça brûle. Ah, blessé, c'est pas officiel. Ouais, mais ça pique un peu quand même. C'est bien les explosions. Colonel, prenez-moi dans vos bras musclés. Ok, Lily, passe une bonne nuit. J'espère que, en tout cas, le live t'aura plu. À très bientôt. Bonne nuit, Lily. Il y a un ennemi là. C'est mes petits spots de l'amour. Brut. Voilà, calmé. Deux balles, précis, clair, net, efficace. C'est pas cher. C'est la MAF qu'on préfère, bien entendu. Cortana a été c'est la MAF. La référence qualité de désert. Et tâchez de prendre l'ennemi de flanc. Aïe, aïe, aïe. Un Covenant a voulu m'attaquer, mais il est mort. Eh hey, j'ai dit un Covenant a voulu m'attaquer, mais il est mort. Arrête de... Oh, la Stico, il court. Mais il a pas pris la balle. Je suis dégoûté. Je suis en train de le viser, le caribou. Je l'ai eu. Mais j'ai Kais, moi. Aïe 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 aïe. Je suis un petit Covenant. Je vais embêter le monde. Bah tiens, prends une grue. Achoum. Oh, flou efficace. Oula oula, ok. Ah ouais, là c'est les... Je l'ai eu lui. Oh oh. Reculé. J'ai involontairement explosé deux marines. Oups alors. Ah. Oh, les grenades ça fait deux. Moi ça va, les grenades ça passe. J'ai effrayé deux élites en balançant une grenade. On est juste en dessous du vaisseau. Les Covenants utilisent. Ah mais je vois quelque chose, je vais taper. Ça c'est les... c'est quand tu vois les élites, tu fais oh oh. Faut se casser. Utiliser l'ascenseur pour entrer dans le vaisseau. Ça dure assez longtemps. Y a pas de camouflage. Je cours ici. C'est vrai. Bon allez, c'est terminé mais ça fait durer. Oh, il l'a pas eu. Oh, je suis trop dégoûté. Je vais essayer d'aller atteindre le commande. Boum. Vous calmez. Je me casse. J'en ai tué un déjà, c'est déjà pas mal. Je vais tuer le deuxième. Il est mort. Il n'y a plus de tourelle. Ah, c'est vrai, c'est les gros là, je crois, qui vont arriver après. Pas tout de suite, mais après. Il y a un tour après, ouais. Pas tout de suite. On va se taper pas mal de vagues d'ennemis. Oh, les tourelles, c'est efficace. Pour ça, autant les utiliser. Et voilà les ennemis. Allez, mourez. On les massacre, t'inquiète pas, Fofo, on les massacre. Et par contre, on va moins rigoler quand ce sera les Hunters, parce que... Oh, les Hunters, t'inquiète pas, une balle d'Aldo, une seule bien calée, ça passe, que deux McDam ou deux snipers, ça passe tout seul. Ah bah d'ailleurs, en parlant de Hunter, il y en a un là. Hein. Je viens de me faire canarder, hein. J'ai plus beaucoup de vie. Audacieux. C'était pas Hunter ? La punaise, celui non, qui m'a foutu. Rapace. C'est le rapace qui m'a foutu une balle comme ça ? Oui, ils chargent leur pistolet. Ouais, mais j'ai pris en plus des dégâts sur ma barre de vie. Normalement, c'est le bouclier. Ah, d'accord. Pour ça, je croyais en fait que. Punaise, voilà, bah je suis mort. Deux balles qui m'ont mis, les salauds. Deux balles. Je vais reculer.
Ah, c'est des salauds. Hein. Et du coup. Ah, bah, du coup, j'ai plus le sniper. Vas-y, tu peux aller le récupérer en tout cas. Ouais, alors là, sinon, pire, je peux te donner le mien pour la fin de la mission aussi. Bon, bah, t'inquiète, je vais aller chercher. Il est là-bas, il est pas très loin. Voilà, je l'ai. Il est enter. C'est parti. Essaie de les attirer vers toi. Pas dans mon sens, si possible. Un mort, c'est bon. Le deuxième maintenant. Il est là-bas dans le fond. Il essaye de me tirer dessus encore. Pareil, je le contourne. Je le vois. C'est bon. Voilà. Ouais, quand on est à deux, c'est bien. Quand t'es tout seul, c'est vrai que c'est. Ah oui. C'est pas difficile. Nous sommes à l'ascenseur gravitationnel. C'est un peu chiant. Envoyez les renforts. Bon, bien sûr, en mode normal, après en mode légendaire, là tu perds quoi. Ah oui. La moindre erreur est fatale. Une fois à l'intérieur du vaisseau, je me connecterai à l'interface neurale de commandement du capitaine. Que c'est joli. Il doit être à la prison du vaisseau ou dans les environs. C'est vrai que quand John lève son arme, il a l'air un peu d'un con, regarde. Il regarde en fait toujours en face de lui. Ah non. Oh. C'est pareil avec ça. Mais ça, tu peux pas le savoir quand tu joues tout seul. Oui, c'est vrai. Et même quand tu regardes vers le bas, je crois. Il me semble qu'il fait pareil. Non, il baisse un peu son casque, regarde. Ah d'accord. Il baisse un peu son casque. Mais pas avec le Magnum, par contre, il regarde en face de lui. Avec le Magnum, c'est comme ça que les machinima sont réalisées. Ah oui, non, mais Halo... Enfin, Halo, tu peux jouer en solo. Mais c'est mieux de jouer à plusieurs. En tout cas, je sais pas si tu vas te le prendre du coup, Fafa. On y est. Je suis connecté au transpondeur CNI du capitaine. Ça serait sympathique, aucune une campagne. Oh non, mais détectée. Ça c'est clair et net. Hein. Campagne déjà à 3 pour au moins pour celui-ci parce que Master Chief Collection n'est pas forcément hyper cher. Le problème c'est que en fait, Halo 1 et Halo 2, on peut pas les faire à 3, c'est qu'à 2 grand max. Il y a Halo 3 et Halo 4 qu'on peut faire jusqu'à 4. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est 2 grand max le 1 et le 2. Bon, bah alors tant qu'on aura fait Halo 1 et Halo 2. Toi, calme-toi. Invisible à la con là. C'est eux qui peuvent commencer à nous embêter. À partir de ce niveau là. Je vérifie de tous les côtés maintenant parce que ça. Bah, ok, je faisais juste le tour. Ah non, c'est vrai. Il faut tuer tout le monde et ça va ouvrir une porte ici. Oui, oui. Allez, paye-moi. C'est aussi Halo Reach qui était très bon en termes de campagne. Halo Reach, je l'ai jamais fait. Oui. Les Halo Reach ODST, je l'ai pas fait non plus. D'ailleurs, ODST, il est en rétrocompatible. ODST, il est avec la Master Chief Collection, tu peux l'avoir. Un DLC. Ah bon? Oui, le problème c'est la Master Chief Collection, tu l'as eu quand à la sortie? Non, je l'avais acheté en 2015. Ah, il y a combien de temps à peu près? Bah, je l'ai acheté cette année. Enfin, l'an dernier, quoi. Parce que je sais que si tu. Moi, je l'ai eu à la sortie, mais si tu veux jouer au jeu avant une date, parce qu'il y avait eu pas mal de bugs en multijoueur, pour se faire pardonner, 343 avait offert la campagne à l'autre ODST, au joueur qui était là avant une certaine date. Moi, je l'ai eu gratuite, au lieu de la payer 5€. Bon, ça va encore, quoi. Mais ils auraient. Ou alors, ils mettraient le genre. Pourquoi il est refait? Oh, mon dieu. Ah! Il te visait toi, il m'a eu moi. Ils l'ont refait comme le 3, 1080p 60fps. D'accord. Et c'est inclus dans la Master Chief Collection. Vraiment tu peux le voir quand tu lances Halo 3 depuis les menus, si ça te propose aussi Halo 3 ODST. Je crois pas, non. Mais faudrait que je regarde. Peut-être que celui-là s'il faut dans tes téléchargements, je sais pas si t'avais reçu. Normal c'était un code qu'ils avaient envoyé. Bah mais moi ils m'ont pas envoyé de code. Personnes. Moi je t'ai dit, d'accord. Je l'ai acheté l'an dernier en décembre donc. Ah ouf, je sais plus là. Oula les chasseurs. C'est pour ça. Ouais, en plus j'ai plus mon snipe donc mon snipe. Donc je cherche mon snipe. Là il est là, vers ton cadavre. Il est à côté. Ici mon cadavre? Là-bas au fond. Non, là-bas. Ici, okay. Au milieu. Le tout, c'est désattiré maintenant. Ils sont occupés.
Ils veulent me viser. J'ai du 1. Boum, dans la colonne. Ouais. Il me regardait comme un con. Viens, c'est par là. Tu restes indécis sur le jeu. Mais honnêtement, je te jure, hein, c'est un excellent jeu. C'est pas par là ? Non, il faut ouvrir la porte en fait. Depuis ici. Parce que la porte est fermée. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est vague, hein, ça fait. Oh ! Ah, mange. Oh, mais où ? Après, oui, Warrior, quel est ton halo préféré d'ailleurs ? C'est une question que je vais poser. Je pense que par défaut, je pourrais dire le 1 parce que le 3, je m'en rappelle plus trop. Mais là, je dis vraiment par défaut, moi, hein, on verra bien. Là. Oui, moi, c'est le 3, celui que je préfère. Le 3 je l'avais fait mais j'ai pas joué énormément au 3. Après c'est là où je commençais à avoir beaucoup de jeux donc du coup dès que je finissais un jeu je voulais passer à un autre jeu quoi, ce qui est logique. Voilà. Oh là, j'ai pas à 2 c'est mieux hein. Voilà. Je crois que ma grenade était bien pla... Ah, un peu trop loin. Il y a des ennemis qui me tirent en bas. J'ai oublié. Ah oui, je vois. Du peuple en bas. Ouh, j'ai attention. Collé. Ah, au revoir le hunter. Enfin, au revoir le gros. Seul point de vie. Ça devrait aller. Faut juste que je trouve un kit. T'inquiète, moi j'en ai pas besoin pour le moment de kit. Non ! Pas sûr. C'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Wow. Là, tu fais fusée, je le tue en même temps. Mince, bah moi j'ai balancé une fusée par contre. Oh. Ouh, il a morflé. Ah oui, le corps à corps, quand tu les chopes bien, corps à corps, c'est terrible. Ah oui, c'est sûr, hein, tu n'achètes pas un jeu pour la tête de quelqu'un, ça sert à rien. Mais si l'univers de... Enfin, après, il faut aimer les FPS. Si t'aimes les FPS, Halo pourrait être un bon jeu. Quoi. C'est tout. C'est la série Halo forte, de toute manière, sur Microsoft. C'est ça. Ah oui. C'est ce qui fait le plus de vendre Xbox. Canardé. Oh, j'ai mis. Ça fait mal. Puis à plus ça va, c'est pas Halo, ça va pas truiner parce qu'ils en ont pas fait 50. T'as Master Chief Collection, ils ont pas été trop putes comparés par exemple à Resident Evil qui sortent un épisode à la fois. Hein ? Parce que de ce côté là ça fait un peu mal au cul. Oui. Mais ouais, Master Chief Collection ça va. T'as Halo 1, 2, 3, 4 et ensuite tu peux te prendre Halo 5 quand tu l'as en promo. Halo 3 DLC aussi. Halo 3 DLC aussi, Master Chief, si tu prends un DLC jusqu'à coûte 5€. Ouais, il faudrait que je regarde. Pour le DST, mais je sais pas s'il sera quand même compatible parce que je pense que il peut. Putain, je pense. J'avais vu un point alors du coup je me suis reparti par là, je sais pas pourquoi. Ah non, bah c'était ton point en fait. Ok. Du coup, j'étais en train de dire quelque chose par rapport à Halo. Ouais, il y a Halo Reach, c'est sûr, je l'ai. Mais je sais pas, il est peut-être rétro-compatible, je les testerai quand même. Halo DST, non, je crois pas. Le seul Halo 2, 3, 6 qui est rétrocompatible, c'est Halo Wars et Halo Reach pour le moment. Il n'y avait pas un troisième ? Non. Seulement ça. Alors, par contre, le terminal d'ici, je sais pas où il est. Hein. Je m'en rappelle plus de ça. C'est plus logique, il y a un crâne un peu plus loin. Puis
Et du coup, tu n'as jamais fait Halo Reach? Non. Et tu ne sais pas quand il se passe chronologiquement et tout? C'est pas entre le 2 et 3? Non, c'est la préquelle du 1, c'est pas juste avant le 1. D'accord. Reach. C'est Halo 3 ODST qui se passe entre le 2 et le 3. Ouais. Okay. Bah du coup, il faudra quand même que je fasse Reach. Ah oui, oui. Reach est énorme. Tout qu'on peut modifier son armure et ça compte aussi en campagne. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça. Ah oui. J'aime bien l'histoire. Du drama, j'aime bien. C'est bon. Donc Fafa, s'il prend Halo, il aura tout sur One, quoi. Il pourra acheter Halo Reach en rétro-compatible. La Master Chief Collection Halo 5. S'il a envie. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, s'il a envie. Si ça l'intéresse. Après, comme je te dis, faut vraiment aimer... si t'aimes vraiment les FPS, ça peut être une excellente série. Ah oui, c'est une des séries phares vraiment du FPS. Elle a beaucoup contribué. Après, t'as aussi Gears of War, mais Gears of War, je pense que tu vas l'acheter, Fafa. Très bon aussi, Gears of War. Ah oui, c'est des excellents jeux. Ah, la musique s'est arrêtée de nouveau. Ouais, parce qu'il y a l'ennemi qui a... Punaise, punaise, punaise. Panique pas, panique pas. Punaise. J'avais plus beaucoup de vie. J'étais à 3 barres. Tu es mort? Ouais. Ouais, non, je suis mort. C'est bon, on peut y retourner. Je vais lui mettre une méga sauce à l'autre. Tant pis, c'est le premier que je shoot qui le rend. Fais gaffe, il y a une fusée. Ouais. Alors, hein? On voulait m'attaquer au corps à corps. Le petit con. Ah oui, par là, cadavre. Viens si tu veux le crâne. Attends, il si y a mon cadavre. Crâne, ah, d'accord. Je cherche mon cadavre. Bah merde, faut j'ai pas les tuer, faut que tu puisses venir après. Si tu veux le crâne. Mince. Bah merde, je sais pas où il est. Bah tiens, viens, viens, viens là où je suis. Oh, regarde derrière toi, tiens. Prends mon snipe. Là-bas derrière. Comme ça, moi, t'auras le succès. Nice, merci. Viens ici. Ça va être dangereux. En fait, au bout d'un moment, il y a la porte qui va s'ouvrir avec deux hunters. Faut vite rentrer dedans et récupérer le crâne juste derrière eux. Voilà. Attends, j'ai pas attendu du coup parce que j'étais en train de regarder le chat. En fait, il y a cette porte qui va s'ouvrir et il y aura deux hunters. Et il faudra récupérer le crâne juste derrière eux assez rapidement. Avant qu'elle soit ah, d'accord, c'est la porte ici alors. Oui. Ok. Bon, et comment les déclencher les hunters? Faut tuer ce qui reste. Une minute. Je vais me connecter au réseau de combat. Ça va bientôt s'ouvrir. Et trouver un code pour déverrouiller une porte. Bah, je vais passer en force alors. Je fais de mon mieux. Attends. Je voudrais bien le voir venir à bout d'une clé de codage à modulation de 128 000 bits. Ça fait beaucoup de bits. C'est pas grave. Ah, voilà les ennemis. Mais joué. Il a été touché. Oula, ça y est. J'y suis. Derrière, non. Derrière. Merde. Derrière eux. Va les tuer, hein. Il est juste là où je suis. Ah, mais fais gaffe parce que. Ah non, il était pas mort. Oh le fumé. Il m'a eu. Bon, bah voilà, le crâne ça est là. Ça le récupère pour toi. Non, ça le récupère pas, je pense pas. J'ai cru qu'il était mort, j'avais juste lancé une grenade. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon, le crâne est récupéré. Je récupère le snipe. Vas-y. Ouais, on va les canarder. Ah oui, ça c'est fait. Et voilà. Bon, on a eu le coffre.
Enfin, le crâne plutôt. Merci, parce que je savais même pas qu'il était là, moi. Oh, j'aurais dû mettre la coupe crosse. Attention. Ricochet. Non mais ricochet, hein. Voilà, mange, s'il te plaît. Toujours le ricochet. Ah ouais, non mais quand bon, les autres, elles ricochent pas, mais là, c'était des ricochantes, hein, quand même. Ouais, les grenades humaines, les frogs. Voilà. Du moins, il est plus invisible. C'est bon, on a sauvé notre peau, là. On est chaud. Ah, oui. Voilà. Joué. Alors, les deux, ils sont morts. On ne parle pas, mon petit. Tu meurs. Un petit Nidler. Ça fait des dégâts, ça. Ah, ça fait mal, ça. Sans bouclier, ça peut même te one-shot, en plus, si tu mets toutes ah, les... Oui, oui. Toutes les aiguilles. Ça pique. Typiquement, c'est l'arme que t'as pas trop intérêt. Non, t'es pas invisible, oui. Mais au moins tu. Enfin, je pense que tu dois comprendre, non. On est sur Halo, je vais pas m'amuser à parler de Resident Evil. Ah, ça pique. Fais gaffe, y'a du monde. Hein. C'est pas comme si en héroïque tu fais pas attention, tu meurs direct. Un peu le même cas. Voilà, ça... Wouah, bah j'ai explosé. Mon dieu. Là j'ai pas compris l'explosion en fait. Il y en a un qui a balancé une grenade ou quoi? Ouais. D'accord, bah je l'avais pas vu. Vas-y, tu peux récupérer ton sniper là-bas. Alors, c'est... Merde. C'est où? Il est sniper? Je crois. Non, il est où? Attends. Je regarde. Là, il est là. Juste ici. Ah, tu vois, j'ai... c'est pour ça que je m'étais mis en plus sur le côté. J'active les vieux graphismes. On voit mieux. Ah, il était bien planqué, mon snipe. Hein. Fais attention. Il est mort? Non. Et voilà, c'est ça, ça fait des explosions. À mon avis, c'est le Nidler. Je me fais abeille par le Nidler. C'est le Nidler qui m'a niqué. Ah merde. Mais c'est pas grave, hein. Moi je. Mais c'est pour ça en fait. Je viens de m'apercevoir de ça, quoi. Mais merde. Le sniper est ici. On voit à peine son bout du canon ici quand tu mets les vues graphiques. Oh. Oh là là. Bon bah là du coup j'avance plus vu que t'as Nidler en fait. Par là. Ok, c'est parti. Là, je suis mort beaucoup de fois, mais avec le Nidler, c'est vrai que là j'ai été bait. Hein. Oh. On sait que le Nidler, ça explose bien. Punaise. Et j'ai encore failli me faire avoir. Parce que moi j'aime bien les attaques corps à corps, les gens. Enfin, les élites. En fait, moi j'ai l'habitude du légendaire en fait, du coup je prends toujours mes distances. Moi j'ai toujours pris le corps à corps en fait, quasiment. Ah, ça dépend en fait. Bon. Ah, il y en a derrière. Derrière, merde, je suis mort. J'ai décédé. Okay. Ça devrait être bon là. C'est bon. Parfait. Bah mon Nidler a volé. Oui là, là, nickel. C'est bon, tu l'as eu? Nice. Ouais. On va bientôt arriver notre capitaine, je pense. Oui. C'est ça. Les élites dans cette salle. Attention. T'as tiré avec une arme? Terminal au-dessus. Non! Y'a le tralipé. Je suis mort. Oui, mon dieu.
Ah bah on est morts tous les deux. C'est bon, on prend là. Bonne soirée, Chris. Bonsoir, Chris. Bon, alors attends, il est où le gant? Attends. C'est bon, y'a plus le grand. Il a plus nous casser les pieds. Posté. Oh oh. Grenade Covenant. Ah punaise. J'ai foiré toutes mes balles. Parfait. Voilà, il l'a pas vu. Ouais, ici un terminal au cas où. Ah ouais, non, mais là c'était sûr que là on allait mourir en fait. J'ai vu qu'en fait j'ai. L'autre, je me rappelais plus qu'il y avait ici et l'épée. Quand tu t'en rappelles plus, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ça va exploser. Oh, tu as collé. J'ai joué. J'ai collé ? J'en colle souvent là en ce moment, c'est. C'est chaud. Les réflexes d'Halo. Par contre, en multi, je suis une vraie bouse, mais. Donc, s'il s'agit de la campagne, ça passe. Le multi, je me débrouille. Ça va. C'est pas mal de temps sur Halo 5. Je suis niveau 117. Ah oui, d'accord. Non, moi, je suis qu'un un niveau 7. Basique. Pas beaucoup joué. J'ai bien aimé le multi du 5. Ah, il est sympa, hein, surtout le mode SWAT. Ça rappelle de. Bah, justement, un mode compétitif, quoi. C'est un mode compétitif. Ah oui, c'est énorme ça. Si le mode d'élimination, on a qu'une vie. J'ai bien aimé ça. Ils ont rajouté le baptême du feu là récemment. C'est sympa ça aussi. Il y avait même un truc de football. Ouais, c'est ça qui est sympa. C'est énorme ça aussi. Ah, je veux bien que tu connaisses que Resident Evil limite par rapport à ça, mais tu connais pas Halo. Ça peut te permettre de découvrir quoi. Après, si t'es PSN, bah, là ça peut peut-être dire putain, Halo, ça, en fait c'est un bon jeu, tu vois. Il y a des invisibles. Ouais, j'en ai tué un. Je pourrais utiliser mon healer. Fais attention, hein, passe pas devant mes tirs. T'inquiète pas. J'essaye. Voilà, le grand est mort. C'est surtout celui à l'épée en plus. C'est bon. Attention, notre invisible. Ouais, mais l'autre il me semble pas qu'il y a l'épée. Non, il est pas à l'épée. Mais... Parfait. Vous l'avez bien eu. Ça suffit, caporal. Chef, ouvrez ces cellules et fiches en camp d'ici. Pas de problème, Kizzy. Sur le mur de derrière. C'est bon ? Je crois. Ouais, c'est bon. Si t'as appuyé dessus, c'est bon. C'est bon. Vous êtes fou d'être venu ici. Vous savez pourtant bien que. Merci. Messieurs, verrouillez et chargez vos armes. Parez à partir. Oui, sergent! Pendant que les Covenants nous retenaient là-haut, j'ai entendu les gardes parler de ce monde anneau. Ils l'appellent Halo. Une minute, chef. Connexion au réseau de combat des Covenants. D'après les données de leur réseau, l'anneau a une profonde signification religieuse. Si mon analyse est correcte, ils considèrent Halo comme une sorte d'arme. Une arme d'une puissance inimaginable. Alors c'est bien vrai. Les Covenants n'arrêtaient pas de répéter que quiconque contrôle Halo contrôle le destin de l'univers. Tout s'explique. J'ai intercepté différents messages sur une équipe de Covenants à la recherche d'une salle de contrôle. Je croyais qu'ils cherchaient la passerelle d'un croiseur que j'ai endommagé pendant le combat au-dessus de l'anneau. Mais en fait, il s'agit de la salle de contrôle d'Halo. C'est une mauvaise nouvelle. Si Halo est une arme et que les Covenants s'en emparent, ils l'utiliseront contre nous et anéantiront l'humanité. Chef, Cortana, j'ai une mission à vous confier. Trouvez la salle de contrôle d'Halo avant les Covenants. Marines, en avant! À vos ordres! Bien, chef! Chef, prenez la tête. Il le sort de son slip, le Needler. Eh oui, il l'avait caché. Il avait un slip piquant. Retournons à la plateforme à navette pour évacuer. Il avait un porc-épic dans son slip. Vous avez une bait ou quoi là? C'est le jeu.
Moi aussi. Ça commence à être la galère en matière de munitions. Ne t'embête pas à te lever. Ah, je trouve une balle de nickel. Ah, il y a des balles ici. Super. J'en ai là. Il faut de la vie aussi. Il y en a ici. Voilà. En plus, le Nidler pour le corps à corps, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec les piques. C'est bon, on y va. Et j'ai cru que c'était un ennemi qui était là. Ça pète, hein. Ça a pété, fais gaffe. Ah, elles font vachement mal là pourtant, il n'y avait que deux. Hein. Tu vois, c'est ça qui explose à chaque fois. Hein. Les explosions de Nidler. Ça fait mal. J'en avais plus que 3 dans mon chargeur. Il faut faire extrêmement attention à qui, il faut pas qu'il se fasse dérouiller. Ouais, mais ça je sais. Ça va être très très compliqué cette mission quand même. Surtout en légendaire, il est bien chiant à protéger. Ouais, il meurt vite. Il meurt vachement vite. Ah oui, il se prend 2-3 balles, c'est foutu. C'est bon, j'ai eu des munitions. Mais il y a pas beaucoup de balles dans le Nidler aussi, c'est ça le problème. C'est vrai. C'est 80 max, je crois, en plus du chargeur. Pas beaucoup. Ouf, attention ici. Je crois qu'il y en a encore un sabre. Là. Oh merde. Oh, oh mon dieu. On a réussi. Oui. Cortana à Echo 419. On a falloir protéger qui ici. Négatif, Cortana. Je suis attaqué par des patrouilles aériennes Covenants. Elles m'en font voir de toutes les couleurs. Ne comptez pas sur moi, désolé. Bien reçu, Fohammer. Cortana terminée. Appui aérien impossible, capitaine. Attendons ici qu'elle puisse venir nous chercher. Oh non. On est coincé ici? On est fait comme des rats? Reprenez-vous, soldats. N'oubliez pas que vous êtes un marine. Cortana, si le chef et vous réussissez à nous trouver un vaisseau des Covenants, je nous sortirai d'ici. Une manière assez étrange de tenir son Hitler. Oui, capitaine. Il y a un vaisseau des Covenants à quai. Mais on est quand même vachement plus grand que lui. Hein. Même que les ah autres. Oui, hein. ça fait plus de 2 mètres, un Spartan. C'est ouf, hein. Avec des armures de 5 kilos, là, pas. Ça. Ah ouais, environ, ah ouais. Oh bah ça va. On peut dire qu'ils ont pas trop de problèmes. Ils aiment bien les mais ça me coûte George. Mais... T'as l'équipe Noble d'Alorich, lui, je crois que ça s'approche d'une tonne, je crois que ça dort mieux. Ah, c'est le gros balèze de l'équipe avec sa grosse mitrailleuse. Ah, j'ai mes... Ah, ouais, d'accord. Ah, ça pique, hein. Pas de soucis, Fafa. De toute façon, comme j'avais dit, ça sera la dernière mission qu'on va faire. Hein, parce que je commence à le trouver aussi. Oh, oui. C'est bon. Voilà. C'est bon, faut juste activer ça et ça y est. C'est bon. Ça y est. Eh ouais. Le boss. Voilà, le vaisseau est prêt. Tout le monde à bord. Donnez-moi une minute pour me connecter à l'interface du vaisseau. Ah, inutile. Je vais prendre les commandes. Capitaine, des hunters. Cramponnez-vous. Bien joué, capitaine. L'heure de la revanche a sonné.